Je sais pas vous, mais pour moi la semaine dernière a été sous le signe de la dépense et il va falloir que je me calme pour le reste du mois. Ça tombe bien, on est lundi, il est l'heure de faire le point sur mes enveloppes budget de la semaine et on va faire ça ensemble. Dans les courses, il me reste 15,76€ sur les 50€ initialement déposés. Du coup, je vais mettre de côté le billet de 5€ et les pièces dans mon classeur du mois et je vais rajouter 50€, ce qui me fait un budget total de 60€ pour cette semaine. Dans l'enveloppe shopping, j'ai dépensé 36,96€ et il me reste 3,05€ en pièces que je vais mettre de côté dans le classeur du mois. Et il me reste 10€ pour le mois que je vais essayer de ne pas utiliser. Beauté, alléluia, j'ai rien dépensé, donc il me reste 20€ dans mon enveloppe du quotidien que je vais quand même laisser au cas où. Divers, j'ai fait des dépenses mais en ligne avec le budget que je m'étais prévu, donc mon enveloppe elle est intacte pour l'instant et je vais laisser les 20€ dedans. Pour la maison, il me reste 7,48€ sur mon petit budget de 10€ pour le mois, mais comme c'est en billets de 5 et pièces, je mets ça de côté et je vais essayer de pas y toucher jusqu'à la fin du mois. Et ça les amis, ben c'est un bel exemple de comment on économise plus de 70% d'un budget grâce à des petits défis faciles et sans contrarier notre cerveau ni le frustrer. Pour les restos, le budget de 50€ est déjà parti bien vite à coups d'apéro en famille et de petits repas à l'extérieur. Du coup, il me reste 5€ que je mets de côté dans mon classeur du mois et je remets les 10€ restants dans mon enveloppe portefeuille. Et enfin, pour la pharmacie, il me reste 5,22€ que je mets aussi de côté pour les défis à la fin du mois. Mon bilan à la moitié du mois, c'est donc deux enveloppes vides, mais encore de quoi tenir pour l'essentiel. Et surtout, plein d'économies en billets de 5 et pièces pour mes défis. Et ça, ben c'est vraiment cool. J'espère que tout se passe bien pour vous aussi. Je vous fais des bisous.